Vous croyez quand vous lui racontez des mensonges aussi énormes? Pas toujours. Mais la première fois, elle m'a cru tout de suite. Alors n'ayez pas d'inquiétude, votre mari vous croira. Évidemment, j'aurais peut-être mieux fait de pas lui téléphoner. Ah oui, oui, ça, il aurait mieux. Vous lui avez téléphoné? Oui, de l'aéroport. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? La vérité, que je partais avec vous. Comment, votre mari est au courant? Qu'est-ce qui... Enfin, comment a-t-il réagi? Mais il m'a pas cru, vous pensez, c'était tellement invraisemblable. Il verra que je n'assiste pas à la visite de cette pouponnière, il imaginera Dieu sait quoi. Vous inquiétez pas, mon mari n'est pas jaloux du tout. Oh, lui c'est le type même du jaloux. Ben, je l'ai bien vu hier au soir. Ah, oh, ce garçon-là est très capable de faire un éclat. Et si les journaux s'emparent de cette affaire, c'est le scandale. Vous êtes comme mon mari, vous ne pensez qu'à votre carrière. Vous croyez vraiment que Michel va faire un scandale? Vous croyez vraiment que Michel va faire un scandale?